tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça c'est à Mamoun mon cœur, merci beaucoup. Maman, oui. C'est à papa. Non, c'était à maman. Aujourd'hui on reçoit le canapé, les gars. Là en fait dans 5 minutes, parce qu'ils sont pas très loin. Ils m'ont appelé pour me dire qu'ils arrivaient, donc du coup c'est vraiment chouette. Parce que c'était le truc qui me manquait vraiment le plus là, de pouvoir se poser un peu quand Gabi elle dort, de pas être obligée d'aller directement dans mon lit. Il y a les tapis, maman. Oui. Les vélos. Il y a le vélo dehors. Je vais ouvrir un petit peu quand même pour mettre de la lumière. Donc j'ai trop hâte. Je me trouverai bien évidemment quand il sera là. Je vais me servir de l'eau aussi, je suis déshydratée, j'ai soif. Je sais plus où est-ce que je vous ai laissé le dernier vlog. Je sais que c'était un petit peu fouillis. Autant ça sera soit un nouveau vlog, soit dans un vlog. Enfin, vous avez capté l'idée quoi. Pour l'instant, je suis un peu à l'arrache, le temps de... Voilà, que tout soit en place, que je reprenne ma routine, que je sois bien organisée et tout. Camille, qu'est-ce que t'essayes de faire? De l'eau. J'ai soif. Maman. Oui, mon cœur. Regardez ce qu'on vient de recevoir, les cartons du canapé avec une petite Gabi qui m'aide à... Tu m'aides à détacher tout ça? Oui. Oui, merci beaucoup mon amour. Trop hâte de voir comment il est. J'ai fait une pause canapé pour manger. Hier j'ai fait ça, ce genre des lasagnes dans une poêle, et regardez qu'est-ce qu'elle est revenue manger. Elle les a déjà mangées hier et franchement c'est tellement bon que elle est revenue, il en restait, donc elle est revenue ce midi. Bon, du coup ma soeur est rentrée, elle est retournée travailler. Coucou mon amour. Et regardez-moi cette beauté, il est incroyable. C'est le modèle Megève de chez Bobo Chic. Ils me l'ont très gentiment envoyé. Du coup, il est comme ça. Il est trop beau. J'adore le tissu, la couleur. Vraiment, il est incroyable. Je l'aime trop. Il est hyper confortable. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme coussin dessus. Mais en tout cas, dans l'espace salon, ça, je vais vous montrer de là. Il va parfaitement. Il est trop beau. J'adore. De toute façon, leurs canapés sont toujours incroyables. Mais là, c'est vraiment un modèle comme ça que je voulais. Donc, je suis trop contente. Il est beau le canapé? Oui. Il est très beau? Oui, il est très beau. Mon amour qui vient de se réveiller. On va aller s'habiller, mon nounet. Oui. Oui. Oui, s'habiller. Oui, on va s'habiller. Maman. Petit cœur. Mia, elle s'habille. Mia, elle s'habille pas. Mia, elle reste comme ça. Mon chien. Hein? Mon chien. J'ai déjà réfléchi à comment j'allais faire quand ce sera la période de Noël. Ça ira là. Ça décalera là. Et le sapin de Noël ira là-bas. Ah, les gars, je suis folle. Mais il fallait quand même y réfléchir. C'est important. Ça viendra un petit peu plus par là pour laisser la place au sapin. Et voilà. Mon cœur, t'as hâte que ce soit Noël? C'est même pas ce que c'est. Hé, hey, Mimi, on dit ça? On descend, on va s'habiller mon cœur, on va aller chez Ikea. Oui. C'est pas non plus que c'est Ikea, maman, mais allons-y. Comment? Maman, je veux mes habits. Tu vas mettre les habits? Allez, c'est parti. On va mettre les habits là. Maman. Bon, on vient de rentrer, je vous montrerai, je suis passée chez Ikea, chez Maison du Monde. J'ai acheté des fringues pour moi parce que je rentre dans plus rien. Mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je voulais un jean et j'ai pas trouvé. Là on va manger. On va manger? Oui. Petite nounette. Oui. Elle pleurait il y a 2 secondes parce qu'elle s'est complètement étalée de la chaise. Parce que tu fais pas attention? Tu t'assois n'importe comment? Oui. Oui. Mon amour. Enfin bref, on va manger chinois toutes les deux parce que franchement j'avais la flemme de ouf.
montre rapidement ce que j'ai pris chez Ikea. J'ai pris des chaussons comme ça, j'ai pris deux tailles différentes pour quand les gens viennent à la maison, comme ça au moins ils n'auront pas à garder leurs chaussures et à traîner en chaussettes. Donc du coup j'ai pris deux petites tailles et deux grandes tailles. Ensuite j'ai pris ça, ça va à l'intérieur du placard pour pouvoir, vous savez souvent c'est des placards comme moi là qui sont hyper larges et du coup vous perdez en fait de l'espace en hauteur, donc j'ai pris ça. J'ai pris des lingettes, des serviettes. J'ai repris des couteaux comme ça à viande parce que du coup j'en ai perdu dans le déménagement. Et ensuite j'ai pris ça, j'en ai pris trois, c'est des étagères comme ça pour mettre pareil dans le placard de manière à optimiser l'espace et que ce soit plus simple pour attraper, pour voir les choses, tout ce qui est conserve, aliments secs, etc. Donc ça c'est pas mal. Et j'ai pris une nappe aussi chez Ikea, trop mignonne, comme ça, à rayures, elle est trop belle, j'adore. Donc voilà, ça c'était pour le petit haul Ikea. J'ai aussi pris chez Mimi, pas du tout, j'ai aussi pris à Mimi chez Maison du Monde ce plateau avec ses deux petites gamelles, voilà. Parce qu'il y en a une des deux qui avait été cassée sur ses anciennes, etc. Donc bref, j'ai tout mis à la poubelle et j'en ai racheté là, elles sont beaucoup plus jolies que les autres d'ailleurs. Et ensuite je suis allée chez Zara et H&M, j'ai pris quelques trucs, je vous montrerai plus tard parce que là du coup j'ai trop la flemme. Et mais par contre cet ensemble de chez H&M il est magnifique. Donc voilà, et j'ai récupéré aussi des trucs pour les tringles à rideaux qui vont là, qui vont s'accrocher sur les espèces de boîtes des rideaux roulants. Mais je les installerai tout à l'heure. Là, je vais m'occuper déjà de ça. Je suis en train de m'amuser à mettre ces trucs-là, comme je vous disais, sur les boîtes des rideaux, là. Vous pouvez trouver ça chez Leroy Merlin. C'est ma sœur qui m'en a parlé. En fait, ça évite de faire des trous dans les murs, donc c'est pas mal. Après, à voir sur le long terme si ça tient bien. Je sais que moi, ma sœur, elle touche jamais à ses rideaux, donc... J'imagine que pour elle ça doit bien tenir, mais nous, surtout sur la grande fenêtre, on va quand même y toucher pas mal. Donc j'ai peur que ça tienne pas assez, mais en attendant c'est quand même pas mal parce que je trouve que les rideaux et les luminaires c'est vraiment les derniers trucs qu'on fait quand on emménage. Alors que les rideaux en vrai ça devrait être genre un des premiers trucs parce que c'est ton intimité quoi. Surtout quand t'as du vis-à-vis, des voisins et compagnie. Qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, du coup, à chaque fois, on les fait en dernier. Donc, je me dis, même si bon, ça, c'est peut-être provisoire, en fonction de voir comment ça tient, au moins, bah, ça sera toujours ça. Voilà. Donc, je vais installer cela. J'ai déjà fait le rideau là-bas. Donc, c'est trop beau. Ça habille de ouf. Et je suis trop contente parce que bah, la couleur des rideaux, parce qu'ils sont pas blancs. À la base, je voulais prendre des blancs. Mais comme j'avais déjà ceux-là, je me suis dit bon, en attendant je vais mettre ceux-là. Et en fait avec le mur blanc c'est très bien. Je vous montrerai mieux tout à l'heure, mais déjà je vais installer ceux-là. Bon, résultat des courses, on a un petit souci. Mes rideaux sont beaucoup trop courts. En fait je les avais fait couper. Enfin je les avais coupés du coup pour enfin, la hauteur de l'ancienne maison. Et ça ne va pas du tout. Mais pas du tout. Il y a un bon 20 cm de moins. Donc il va falloir que je rachète du coup des rideaux. Et ensuite j'avais fait un micmac avec une tringle. En fait elle est vraiment très grande cette baie vitrée. Donc du coup clairement ce genre de tringle là ça va pas être possible. Donc je pense que malheureusement on va mettre un rail et on l'accrochera au mur. C'est pas grave, on fera des trous tant pis. Mais là ça me paraît compliqué. Mais sinon, vu de là, sans qu'on voit qu'il est trop court, bah c'est très joli. Voilà. Mais c'est pas possible. Donc, en tout cas, pour la grande fenêtre, je vais être obligée de mettre un rail et donc de faire des trous. Mais du coup, je me dis, même sur celle-ci, en fait, parce que bah, je peux pas avoir genre un rail là et une tringle ici. Donc c'est pas grave, je me servirai de ça pour les autres pièces parce que les autres pièces nécessitent pas d'avoir un rail. De toute façon on en avait que dans l'ancienne maison, on en avait que dans le salon aussi.
Donc c'est pas grave. Pour l'instant, je vais essayer comme ça. Ça fait office de, mais ça va pas rester comme ça. Pour l'instant, on va dire que c'est temporaire et que ça permet de visualiser. Et pour le coup, ceux-là sont beaucoup trop longs. Enfin bref, en tout cas, c'est trop beau. J'adore. Et ce canapé, mais c'est une folie. J'ai trouvé ce plaid chez Maison du Monde. J'adore. Je suis trop fan. Trop hâte de mettre pour une suspension, quoi. Par contre, on aura pas 30 000 ans avant de les mettre. Ça, je vous préviens. Mais du coup, je pense que je ferai appel à quelqu'un pour faire installer les rails, puisque moi, ça y est, je l'ai fait une fois, je le ferai pas deux, surtout au plafond, de toute façon, j'attendrai pas. Donc, c'est pas grave. Mais voilà où on en est. J'adore. Bon, les gars, je pense que ça va être l'heure pour moi d'aller me coucher. Je suis complètement KO. À la base, je voulais mettre un film, mettre sur le canapé et tout. Et en fait, je me suis rappelé que je n'avais toujours pas d'internet. Les gars de chez Orange viennent demain et je n'ai plus de partage de connexion. Parce que je me suis endormie deux fois devant des films et du coup ça a pompé tout mon internet. Donc je n'ai même plus internet sur mon téléphone, c'est très très relou. Je ne connaissais plus ce truc là. Carrément genre même pour Insta et tout c'est trop long, genre je peux rien faire sur mon téléphone. Donc ça tombe bien vu que je suis KO. Je vais en profiter pour aller me coucher. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu, je pense que je vais le terminer là. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve très vite dans un prochain vlog. Ciao! Like